Ok. Alors, mise en route, bilan. Prévol, pas de barre de traction, l'horamètre est noté, document avion et pilote rangé, siège réglé, verrouillé pour ce qui me concerne, frein de parc serré, volet rentré en butée, gauche, droite, sélecteur d'essence, il est toujours ouvert, transfert carburant poussé, réchauffe carbu verrouillé, mixture en haut, toutes les servitudes sont off. Ouais, je ferai le plan de vol. Avionique Master, disjoncteur, je les ai vérifiés. Ils sont bien. Contact batterie sur ON. Donc, on est plein complet ici, enfin plein sur le central. On n'a rien ici, comme à l'aller, même condition. Autonomie, alarme. Voilà. Balise de détresse, elle est armée. Feu anti-col ON. Ici. Donc, je sais que j'ai raté quelque chose. Ah ben non, voilà. Ici, c'est là. Si moteur froid, alors pompe sur. On entend bien la pompe. Hein. Ouais. Pompe sur. Ah non, il est moins chaud qu'il en a l'air. Je vais faire 1, 2, 3 injections. Ici, donc 1, 2, 3 sur boss, personne devant, 3, 2, 1. Allô les passagers? Oui. Et on a mis en route à 15h57. 15h57. Voilà, on peut s'attacher. Donc il est dans 66, hein. 109 litres, pas de board, voilà. Bon, le moteur effectivement s'est refroidi, donc de toute façon, flight plan at waypoint. L, F, A, V, ok, at waypoint. Alors, Arras. Merde, j'ai pas le... Ah, quelle âne alors. Ah, tu peux me passer la carte VAC s'il te plaît? C'est le vert. Ah, ça tu veux? Non, non, les cartes... Là, je les ai pas, je crois. Non, non, il est dans le sac. Ah. Le carnet vert? Sinon, ouais, c'est ça, voilà. Poisson... Voilà, c'est celui-là. LFQD. F. Requin court. Et ensuite on va à Péronne, c'est-à-dire LFAG. F1. Et descend. Péronne 51. Ensuite Pierre Fond, émettre LFSJ, F1, oui, non, LFJS1, Escop 60 Coumel, et ensuite on va sur Utella. Ah. Et ensuite. Hello. Ancienne de Fox, c'est Oscar, je quitte le circuit par le sud. Bon, voilà tous. Par ensuite. F. PL.
Voilà. Menu. Dans le store. Review. Tac tac. La branche qu'on fait pas. Perron et l'FSJ. Ok. On l'active. On est sur la première, donc on est bon. On est toujours sur 122-605, c'est parfait. Tout va bien. Alors après la mise en route, réchauffe alternateur avionique, ça c'est fait. C'est lecteur, transfert carburant, pompe. Elle est off depuis longtemps. Les feux, tout est sur on. L'éclairage tableau de bord, dépression gyro. Dans le vert, GTN. Donc on est en QNH. Au barreau nous donne 165, donc on n'est pas à 165 là. 165 barreau. Ah si, 1016, c'est bon, voilà, ok, donc il était bien. Je me disais aussi. Le radio, la pilule, conservateur de cap. Alors la première route c'est un 268. Donc du coup, comme j'ai pas tellement voilà, 268, on va avoir la première route, même si on a lui qui nous aide. C'est toujours appréciable. L'altimètre de secours, il est réglé, donc on a dit 2, 3, 4. C'est plutôt par là. Ceinture et harnais, on est tous attachés. Voilà. Tout le monde est prêt? Je suis prêt également. La température, elle bouge un tout petit peu, mais pas beaucoup. Je vais en profiter pour, pendant qu'elle chauffe, là, histoire de faire encore mon briefing. Alors, tu peux me passer la carte, s'il te plaît? Voilà. Il y aura l'autre, mais bon, beaucoup plus tard. Alors, donc... Le vent n'a pas changé depuis ce matin. Et de la gauche, donc on va décoller de la 21, de la 29 ici. Et on doit aller nous vers l'est en fait. C'est-à-dire vers là-bas, au 270. En réalité, le début, c'est pas compliqué, on va suivre l'autoroute en fait. Donc je me mettrai sur l'autoroute jusqu'au nord de Cambrai. Et quand on rejoint toutes ces rivières-là, hop, on suit la rivière justement. C'est ça mon but, c'est de suivre la rivière. Donc de suivre la rivière comme ça et ensuite de suivre le canal. Et on suit le canal comme ça jusqu'à Perron et même un peu plus bas si possible. D'accord. Tu fais qu'en fait toi tu vas nous servir à border. D'accord. Et derrière, bon là j'avais mis jusqu'à Pierrefonds. Mais en fait derrière on va encore le quitter puisque lui va nous mettre jusqu'à JS ici. Donc quand on aura passé Perron, on ne suit pas le trait. Sinon si on suit le train, on va à Pierrefonds, on va à Soissons alors que moi je veux aller à l'autre. Donc là ça va être vraiment du vol à vue. Par contre on se sent lourdé ou qu'il y a un truc qui va pas ou n'importe quoi, hop, on vire à gauche, on rejoint le trait et on est sécure, on est tranquille. Donc voilà, les altitudes, donc c'était donné tout à l'heure sur des 3500. Le moteur monte en chauffage, c'est bien. Les opmètres, batterie. Reims. On est toujours sur du Broken 4000, Scatter 4000 à Reims, Belin du Scatter 4000, donc on est quasi Cavoc. Boxer, on s'en fout, c'est un peu bas. FPO du Cavoc. Hein. Ok, donc on est dans des bonnes conditions comme attendu. Ah là, le moteur est quasiment chaud. Donc ça veut dire on remonte la piste 29, on se met dans l'axe, on décolle, on a 1800 mètres de piste. Donc on va faire un décollage tout ce qu'il y a de plus tranquille. Lui je ne l'ai pas encore lancé. On va faire un décollage tout ce qu'il y a de plus tranquille. Par contre, on arrive relativement vite, comme on est long là-bas. On va être en vol ici, donc on va grimper le plus vite possible. Donc là on va bien garder le 70 nœuds pour monter aussi haut que possible, le plus rapidement possible. Pour pouvoir virer sur l'autoroute en fait. Même monter au-delà du tour de piste pour ensuite suivre le cheminement de départ.
Maintenant on continue, on fait ça là, hop. On a les grands les grands bâtiments qui nous servent de point de repère. Donc quand on les voit, hop, on vire à gauche, on reste sur le circuit de piste. Si on est dans la hauteur du circuit, peu m'y élever au-dessus, je pense que je couperai un peu. Ça m'en ferait évidemment. Donc voilà, et après, donc on a dit qu'on suivait l'autoroute, hein, Arras. Voilà, donc on suit l'autoroute tout simplement jusqu'au sud de la ville en fait, qui est là, partie ouest, le plus au sud. Et on rejoint toute cette partie en eau, dans la suite, sur environ quelques nautiques quand même. 2-3 hein. Minutes, je pense, ou même 3-4. Voilà. Ok. Donc on va faire l'appel radio. Tiens, je te le laisse. Et on va faire les essais moteurs. Voilà, c'est une information du Fox Novembre Lima, bonjour. Voilà, c'est une info, le Fox Golf Novembre Lima, d'air 403, personne à bord. Nous sommes au parking tour, nous allons rouler point d'attente pour faire les essais moteurs en rappel prêt avant de pénétrer la piste. Alors, on en profite. Ah, c'est bon pour les freins. Attendez qu'on bouge. Merde. Ah, ils vont faire de l'essence. Ah ouais, bah ils auraient pu faire un petit... Ils auraient bougé avant. À un moment donné, j'ai vu qu'ils le bâchaient. J'ai dit, bon, bah ok. Ok, la température est dans le vert. Donc on a mis à 57. Ouais, il a fallu quand même 7-8 minutes hein, pour qu'elle monte bien. Ok, bon alors, tout, ils sont loin derrière. Je vais positionner de manière à ce qu'ils soient vraiment pas dans l'axe. Un parc. Alors. Un essai moteur, vous l'avez donné, frein de parc, transfert, donc, vert, vert. Envers. Donc, bon, je mets pas la pompe, hein. Jamais y mettre la pompe. Ah. Demi tours, on sent qu'il en vit, hein. Ouais. Symétrique sur gauche et droite, réchauffe carbu identique, on ralentit, on est stable, pas de détonation, ça sera l'île approche, donc on est bien. Valentine, bonjour, hélicoptère Oscar Echo X-Lenima Delta. Alors, fin de parc, c'est magnéto. Info pour information, hélicoptère Oscar Echo. Et je vous en en provenance du Touquet pour la Belgique, pour un passage vertical terrain à 1500 pieds. Et batterie on, alternateur on et pas orange, tout va bien. Échauffe carbu poussé, verrouillé. On est bien en haut, les sélecteurs d'essence est toujours ouvert, un seul carburant, un seul réservoir, transfert poussé. Autonomie, on est toujours dans les conditions vues. Altimètre, horizon artificiel, là. Altimètre de secours, 165, on est bon. Là. Commande, alors avant, arrière, avant. Alors, on est ok dans les débattements. Compensateur entre 3 et 4. Ceinture armée, tout le monde est attaché? Oui, oui, attaché. Pompe sur on. Un cran à gauche, vert au centre, à droite.
Les éjecteurs sont en place. Alors la verrière fermée, verrouillée. Pression d'huile, on est dans le vert. Température, on est bien dans le vert. Pression d'essence, on est dans le vert. Décollage, donc on va remonter la piste 29 en prévenant la pénétration au point d'attente comme prévu. On remonte, on décolle sur la 29, donc on cherche là de gagner l'altitude du jour de piste le plus rapidement possible. Donc là on maintient les 70 nœuds autant que possible, on cherche 1200 et même 1500. On a les repères, on vire sur l'autoroute au plus tôt. Et on va chercher donc le 268 qui est tout à l'heure ici dans les Eddy. Vitesse de rotation 54, normale 70 nœuds, pardon, montée initiale 70. Montée normale 80 nœuds. En cas de panne mineure avant la rotation, on freine. Bon. En cas de panne mineure après la rotation, on fait un tour de piste. Donc, on revient se poser en main gauche sur la 29 comme on a fait tout à l'heure. Circuit relativement long. Pas de panne. Et en cas de panne majeure avant, alors là, pour se poser, normalement, on doit pouvoir se poser tranquillement si on a un problème moteur juste après le décollage. Là, on va dire bonjour à ce qui se passe derrière l'autoroute et je sais pas quoi. Pas d'oiseaux, les vents sont un peu plus modérés que tout à l'heure, donc ils seront légèrement 3 quarts gauche, 2 tiers gauche. Voilà, finale piste. Les passagers sont go ? C'est bon. On est go, on sera à un décollage aux environs 16h15, donc 17h30. Tout se passe comme prévu. Valenciennes, information, le Fox Novembre Lima, terme fin des essais moteurs, on roule sur le taxiway Bravo, direction de la piste 29 qu'on va remonter, pas d'appareil en fréquence. Hélicoptère, passage overhead, Valenciennes, pour info. Oui, j'avais capté aussi tout à l'heure, effectivement, désolé pour la mauvaise interprétation. Donc un hélico en passage 1500 pieds. Copie, merci. Vous êtes à quel combien de temps de la verticale maintenant? On est passage overhead piste, on vient de dépasser la piste. C'est reçu, donc on n'a pas de visuel. Donc on remonte la piste, on décolle, on prendra une direction ouest. D'accord, merci pour l'info. Le moteur est chaud, tout va bien. Bon, je vais essayer de rouler sur le jaune. Hein. Alors on va regarder le vent. Par rapport à l'axe de piste, quand on est dessus, ça sera bien. Ah, il est quand même en bon 3 quarts. Hein. Mais il est modéré du coup, c'est bon. Eh, l'hélico, il est là-bas. L'hélico. 11h, dans les nuages. Ok, donc il est passé quoi? Ouais. Alors attends, on va mettre un peu plus de roulage là. On voit les bandes là, donc on approche du bout de piste. On remonte un petit peu, ça veut dire qu'on a une légère descente apparemment là. Ouais. Donc départ manche à gauche. Ah, là on va se mettre. Après ça monte, donc c'est idiot.
Ok, donc on est dans l'axe, je mets 1200 tours, pied sur les freins, et 16. On récupère le stylo. 16h16. Valenciennes information, le Fox Novembre Lima, nous sommes alignés 29. Dur, mettons en puissance et décollons. Décollage vers l'ouest après la montée initiale. Bon vol, monsieur. Merci également, au revoir. Au revoir. Badin actif, deux badins actifs, pas d'alarme, on allait voler au vert. Donc du manche à droite, deux badins s'activent. Allons plancher, c'est mieux, voilà, 54, 38. Voilà, on cherche 70 nœuds. Voilà, c'est une information, Fox Novembre Lima, montée initiale. Donc là, on met 70 hein, pour tirer bien vers le haut. On a toute la puissance, les instruments sont dans le vert. Ça commence à dériver. On a l'autoroute. Ok, on n'est pas assez haut. Ah, quoi qu'on est déjà à 600. Ok. Plus de volée, plus de pompe, pas de réchauffe. Hein. On est au-dessus des toits. Devions. Montée 80 nœuds. Voilà, c'est une information Fox Novembre Lima. Donc, montée initiale, on vire à gauche. On part vers l'ouest. Voilà, là on décide de monter là. Ok, début de la navigation. Première altitude, c'était 1800. On est 80 nœuds, on grimpe. Un grand speed de 14. De 70 nœuds, donc on se prend en 14 nœuds devant de face. Donc c'est le moment où on est vers le vent en fait. D'accord. Et quand on va vers plus ou moins la partie ouest. Donc on va pas la prendre longtemps. L'autoroute est en dessous là. Ouais. Elle est juste en dessous, enfin on est un peu à sa droite. C'est ça, voilà. Donc on va dire qu'on a commencé la navigation. 8, même 19. 16 minutes, 29, 23, ça fait 34. On n'ira jamais jusqu'à l'autre bout et on cherche 1800 pieds. Allez, on se stabilise. On est parti, on cherche les points de repère, donc tu peux passer la carte s'il te plaît. Et... Alors comme par un fait exprès, on est juste en bordure de... Voilà, 1700, 1800, grande 1100. Donc on a de l'eau. Je pense que c'est là-bas qu'on va aller, on a Cambrai qui est ici. Valenciennes, donc on a encore de la ville. Ouais. On a une ligne de chemin de fer là. Celui qui voit une ligne de chemin de fer, il me le dit. On a là en bas là, je crois. Ok, il y en a une là à droite. Il y en a une à droite là. Ouais. Bon alors, donc ça veut dire qu'on est déjà par ici. Elle se met parallèle à l'autoroute, la ligne de chemin de fer. Ouais, on l'allonge là. Ok, donc ça veut dire qu'on est par ici. On va la couper. Voilà.
Et donc on voit bien toute la rivière là. Donc c'est ça qu'on va suivre en fait. Donc en fait on va la suivre pendant 4-5 nautiques ou 6. Et à un moment donné on va voir le canal qui part vers le sud. Hop, et nous on vire, on part sur le canal en fait. D'accord. Donc là, pur vol VFR. Donc ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on a beaucoup de plateformes type champ et compagnie. Ouais. On va marquer de la ville, donc je vais l'éviter bien sûr. Donc on a cambré, il y en a un premier patelin d'importance qui est celui-ci, avec une ligne de tension qui passe. Hein. Voilà, si on a la ligne de tension qui est là. De 1500 tours, les deux sont conformes. Donc Jean-Luc, la ville qu'en dessous elle est passée, tu me le dis. Hein? Quand la ville qu'en dessous à droite elle est bien passée, tu me le dis. Le vire et on va chercher là-bas. Je t'entends mal. Je dis quand la ville elle est passée là, ouais, tu me le dis. Et on vire à droite. D'accord. Tu m'entends mieux ou pas là? Bah je t'entends faible. Mais là je vais remonter un peu mon casque. Ah d'accord. Bah elle est bien tout à l'heure. Hein? Bah elle est bien. Ouais, mais peut-être qu'en le rangeant. Donc là on va passer la petite ville. C'est ça, voilà, dès qu'on l'a bien à droite, là sous l'aile, hop, je vire. Ah là, si tu prends cet axe là, là tu okay. Peux commencer à virer. Hein. Très bien. Faut pas que tu vires trop. Ouais. Voilà. Tu vises les champs, puis après tu récupères. Okay. Donc on a la ville de Cambrai là-bas et quelque part un peu plus au sud, on a le terrain. Okay. C'est donc le terrain de dégagement. Alors on est vert dans tous les côtés, on est vert ici, vert du côté de la barre. On a déjà 20 minutes ou 25 minutes au compteur. Voilà. Donc bon, le but du vol en fait, là c'est juste de suivre la rivière qui est là. D'accord. C'est plus sympa de suivre une rivière, d'avoir quelque chose à regarder plutôt que de survoler les champs. Ah bah c'est sûr. Les champs c'est bien quand tu les passes à 70 pieds sol quoi. En dessous de 70, au-dessus de 70 pieds c'est pas intéressant. Et quand tu passes sous les ponts. Voilà, aussi. On est d'accord Damien? Ouais. Donc on descend à 70 pieds? Ouais, au moins. Oh non, au plus. Voilà. Attends. Je me coupe, mais moi c'est pas bien grave. Valentin, information, nous sommes 5 nautiques ouest qui tournent la fréquence. Au revoir, bon vol à tous. Oscar India 04, Lille. Oscar India 04, je vous écoute. Oscar India 04, vous allez être dépassé dans 2 minutes par la gauche par un dernier 328 500 pieds haut. Retire Oscar India 04, on va dire le Sherpa. Et Oscar India 04, on demande pour quitter la fréquence pour contacter Touquet Tour. Oscar India 04, contactez le Touquet, au revoir. Merci pour le service, au revoir India 04. Lille, 10 Fox Novembre Lima, bonjour. Fox Golf Novembre Novembre Lima, Lille, information bonjour. Lille, information bonjour, donc le Fox Golf Novembre Novembre Lima, DR400, 3 personnes à bord. Nous venons de décoller de Valenciennes, la destination de Logne. Nous sommes 1900 pieds entre Valenciennes et Arras, vous reprenez en fréquence avec vous. Fox Novembre Lima, transpondeur 6120, QNH 1016, rappelez pour changer de fréquence. 6120 au transpondeur affiché, QNH 1016, nous rappellerons aussi, pardon. Alors, là, a priori, on a quelque chose qui ressemble à un canal, là. Ouais. D'accord. On a des espèces de grands étangs derrière. Ouais. Et on voit que l'eau, ici, là, elle s'arrête. Parce que tout ça commence à ressembler à un canal.
Ouais, il y a un canal. Bonjour, ici, là. Donc on a un canal, on a des étendues d'eau, on tombe dans un truc comme ça qui s'empâte, termine, on a le canal qui passe là. Ok, donc ça veut dire qu'on est arrivé sur notre point de Charlie, on chauffe, X-ray, Charlie, India, Delta. Ah, ça va être rapide, hein, c'est rapide. Complex, Charlie, India, Delta, lead information, good afternoon. Donc là, on va simplement respecter les vies, on va passer à gauche. Hein. Ah ben. Scope 6120, Kenneth 1016, report to for frequency check. On a en fait tous les côtés. Frequency check, please. 6120. Doit personne à gauche. Scope 6120, short. Et on descend sur des éoliennes là. Le 30 kilo, ouais. On descend à l'île maintenant. Il y en a à l'autoroute, j'allais dire. 30 voilà, kilo, allez, vous pouvez quitter à tout de suite. À tout de suite. C'est quoi, je vais voler à droite là, comme ça c'est moi qui verrai le canal pour changer. Ouais, Alpha Echo, Alpha Charlie Kilo, contact me on the 120 decimal 275. 120 275, Delta Charlie Kilo. Donc là c'est pas compliqué, maintenant on descend globalement au sud. Salut, rebonjour Delta, Alpha Echo, on décollage le Perron pour départ à au 135. Delta Alpha Echo, bonjour, montez niveau 135, rappelez pour le largage. Monteau 135, rappel pour le largage Delta Alpha Echo. Par rapport au sud, ça fait 30 degrés. Ouais. Lille, bonjour, chauffe, Foxtrot, Charlie, Sierra Papa, Crespo. Attends, là, il n'y a pas d'ambiguïté possible, on a le canal qui croise l'autre. Information, good afternoon, have you flight plan to Echo Golf Kilo Hotel? Scope 6120, Kenneth 1016, report for frequency change. Squawk 6120, thank you, we're routing Cap Grenay and then Folkestone Golf Sierra Papa. Climbing to 3500 feet, 1016. Et donner l'occasion à la caméra gauche de filmer. Et donner à la caméra gauche l'occasion de filmer le canal un petit peu. Ah, on voit ce que ça vaut. Elle fonctionne. 900 pieds. Hôtel Delta Juliette Echo, activité planeur dans la TMA 1.1. Contactez la tour 118 décimal 550, au revoir. Merci pour l'activité planeur, on ouvre l'œil, on appelle la tour 118 555, que c'est quoi, merci, bientôt. Liste Fox Golf Sierra Bravo Alpha, bonjour. Fox Golf Sierra Bravo Alpha, Lille Information, bonjour. Bonjour monsieur, un DR400 avec 3 personnes à bord en décollage de Lens et à destination de Vitry-François, actuellement monté pour... Une ville encore en dessous là. Ah, la ouais, ville, là, ouais, mais c'est bon, c'est bon. Fox, par contre, là, t'as ma ligne devant toi. Transpondeur 6120, QNH 1016, rappelé pour changer de fréquence. Donc là le sol il est en moyenne dans les 400 pieds je pense, ce qui était en 1900, on n'est pas en jaune, donc on est au-dessus des 10 pieds, donc on doit respecter pour n'importe quelle habitation. Reçu, bravo à ça. Fox Golf, ok, on m'excuse, bonjour. Fox Golf, Yankee Romeo Israël, il a information, bonjour. Fox Romeo Express solo Char 200 en provenance de Amiens à destination de Rouen à 4000 pieds pour vérifier de l'information de trafic. Alors si on veut suivre la carte. Romeo X-ray solo transpondeur. Le canal tire à gauche. QNH 1016, rappelé pour changer de fréquence. Prochaine information pertinente de position, c'est quand le canal est à proximité de l'autoroute. Quand il le traverse. Lille, good afternoon, Golf Romeo, on est 1900 pieds stable. On a un grand speed de 120, donc là on est un peu poussé. Par le vent latéral. Tango Charlie Echo calling. Negative Golf Romeo Victor Charlie Echo. Un grand truc qui nous passe de travers là. Golf Romeo Victor Charlie Echo. Je regarde là, grande ligne droite là, un truc immense.
From Echo Bravo Kilo Tango to just approaching a rubber at boundary 3000 on the 0 1 5 Golf and then ring T Golf Charlie Echo. Golf Charlie Echo 6120 QNH 1016 report mid channel 6120 Golf Charlie Echo mid channel. Alors dans certains simulateurs on s'amuse à descendre au coup de l'eau et à suivre les. Bonjour monsieur, Transpondeur 7000 à tout de suite. Fox Juliette Alpha Charlie Echo, transpondeur 6120 QNH 1016, rapide pour quitter la fréquence. 6120 1016, on va peut-être pour quitter la fréquence Charlie Echo. Salut le 10581, bonjour. Répétez indicatif. Oui, bonjour monsieur, c'est le 5480. Je sais qu'en fin, on se tient 6016. 70-14, on va brancher et nous sommes 5 à bord. Donc là le piège consiste à suivre l'autoroute, alors que le canal est là-bas. Rappelez-moi la destination. Le THC va bien. On se met un peu de tabassé. Reçu, 5-80, on aime ça. Oui, ça je rappelle en vue d'Amiens, 5-80. Bon, pour la digestion. Bien sûr. Bon, on se retrouve pas la tête en bas, c'est normal, tout va bien. Cet animal qui était en bas. Ok, donc on récupère le canal qui est ici. Bon, évidemment, je vais pas suivre le canal lui-même, je vais mettre à distance pour le filmer, même si on est un peu dans le soleil. Donc en gros, je vise là-bas et même là-bas, en ligne droite. Donc comme quoi, le concept de ligne droite ou de ligne tordue sur un plan de vol quand tu tires vers le bruit. Il y a des ça reste pas la tire. Éolienne saute en 900 pieds. Donc on est mis au-dessus, on va faire des figures. Contact London Information, bye. On a 15 nœuds de face, non? Novembre-Limar, contactez-moi sur 134 décimal 825. 134-225 hein. 134-825. 134-825, à tout de suite. Une info du 9 novembre-Limar sur 134-825. Rebonjour, Fox Novembre-Limar, appelé en sortie de SIV. Je rappelle en sortie de SIV, novembre-Limar. Donc, on va remettre 125-700, c'est Paris de ce matin, on les a quittés sur 125-700. Je vous écoute, Fox Echo Delta. Fox Echo Delta, on va remonter 6000 pieds, si possible. Approuvé, Fox Echo Delta. La montée au 60, approuvé. Fox Echo Delta, montée à 60, approuvé, derrière. Ok, donc on progresse, on voit une ville avec une ville jaune là. Et juste au sud des terrains des éoliennes, dans là, donc on est là. Donc on est encore sur le tracé. Alors le... Derrière on a la grande ville jaune, c'est pour 135. Ça s'appelle Péronne, justement. Ok, bravo, bonjour. Montez niveau 135, rappelez pour le largage. Faites pour le largage sur 135 pour l'UV. Allez Jean-Luc, ouais, toi le manche. Oh non. Damien, toi le manche. Merde, j'ai pas forcé ce matin. Oh, c'est pas grave. Si je m'étais dit, je te ferai tenir à un moment donné, puis après j'étais tellement dans la nage, tu sais. Pas de problème. Moi je te jette. Bravo, donc pour l'instant, je fais la montée à niveau
c'est rappel approchant du 110. Tant que celui-ci fonctionne, moi j'ai bien appris. Rappel en approchant du 110. Donc on est en approche de Péronne, on est 2000 pieds. Et l'info du Fox Forum Mazelou en descente vers ce point de vie, on approche du point novembre pour contacter le Touquet dans les 7 ans. Ah, il est bien, Mazelou, c'était la fréquence, ça va. C'est la fréquence 7000 au profondeur, au revoir. Donc, si c'est que quand on arrive sur Péronne, en fait, j'allais dire, tu vas voir, on va rejoindre le Fox Forum Mazelou. On va prendre Péronne comme point. Bravo, Roger. Same contrôleur, contact me on 134.825. Oui, on s'en fout. Donc on va passer à Péronne, je le donnerai comme point. 135, Romeo, bravo. Neil, Golf, Victor, Golf, Bobby, Juliet, for 5. Golf, Echo Golf, Bravo Juliet, Lille Information, good afternoon. Hello again, Papa Bravo, report approaching Amiens. Report approaching Amiens. Papa Hotel, Romeo. C'était le retour de Touquet qu'on avait prévu. D'accord. De garde, on sait jamais. Golf, Charlie Sierra, Papa, Scope 7000, les frequency back. Donc, Péronne par le train vers droit. Golf, Charlie Sierra, Papa, you're leaving my airspace, Scope 7000, les frequency back. Le terrain est quelque part sur notre gauche. Comme sur un papa à Lille. On va passer, on va croiser loin là-bas. Comme sur un papa de Yuremi. Hey, sir, I'm sending a big seat. Comme sur un papa, right? Ah, on croise une route, donc on est là. London, Go for Papa, you're still with Lille, London information 1246. I work out, thank you, go see Papa, right? Une route là qui se détache bien. Canal, on la voit. C'est des infos qui se lisent super bien sur la carte en fait. Hein. Quand tu regardes. Ah là, je vais montrer la carte. C'est là. La route qui se détache, elle est là-bas. Elle va vers les éoliennes. Bon, Damien, le jour où tu es pilote, je viens avec toi, je te fais une navigation. Mais faut que je fais une navigation et je la suis. Au doigt sur la carte. Ça marche. Hop. Charlie Kilo, pass your message. Data Charlie Kilo would like to leave frequency for contacting the Touquet. Data Charlie Kilo, contact the Touquet 118.450, bye. One more day, il va y avoir l'autoroute. Thank you. Donc là c'est pareil, on voit qu'elle fait comme ça, donc on voit sur la carte un machin comme ça. Point de repère. Eagle 3, contact au stand, et pas back on track. Au-dessus des champs des éoliennes. Roger, Eagle 3, have a good night. Peut-être un ULM ou un paramoteur ou un truc comme ça. On peut dire que ça va en pleine. Sur vous êtes maintenant là. Vers la route. Ah oui, là-bas, ouais, d'accord, au loin. Quelle est votre position? Oui, le 5080, on a passé Péronne et j'ai fait l'auto-info, il n'y a pas de souci. On a au niveau de la A1. Reçu, 5080, merci. Mark Bike, Delta Alpha Echo, le largage approuvé au 135, rappelez pour quitter. Largage pour 135, rappelez pour quitter, après le courant. On a vu le 5000 sur la fréquence locale. Reçu. Fox, uniforme Bravo, la montée approuvée au 135, rappelez pour le largage.
Des infos de Fox Echo Delta. Fox Echo Delta, je vous écoute. Fox Echo Delta, on a fait nos évolutions au niveau 60, on redescend vers Merville. Fox Echo Delta, reçu, vous souhaitez passer avec Merville à présent? Fox Echo Delta, non, on va rester avec vous et on va descendre 2500 pieds. Reçu, Fox Echo Delta. Donc là, on va arriver sur une séparation. Ok. On est sur donc, la séparation. Charlie Echo, trafic, celui de gauche, trafic au sud-est de votre position, 800 pieds bas. C'est le Fox Bravo Fox Kilo Lima, il est parti pour Delta. Ça ressemble à 2300 pieds, Charlie Echo. Un jour pour faire cette branche-là, quoi. Plus bas. On dû aller. Fox Golf Yankee, Romeo X-Ray Solo, transpondeur 7000, contactez Paris Info 125, décimal 7, au revoir. Fox Golf X-Ray, transpondeur 7000, est-ce que vous pouvez contacter la TMA Drouin directement? Si vous préférez. Je contacte la TMA Drouin sur 118, décimal 575, Fox Golf X-Ray, merci. Une info du novembre Lima pour vous quitter. Novembre Lima, transpondeur 7000 et quittez la fréquence, au revoir. Au revoir monsieur, merci, bonne journée, au revoir. Lille, info de Oscar. Oscar, Oscar, Golf 85. Le trafic 3h, 2 nautiques et demi, 200 pieds bas maintenant. Est-ce que vous avez un visuel? On cherche Oscar, Oscar, Golf 85. Côté, naviguer, on se repère. J'ai perdu le fil de navigation pendant 20 secondes. Il n'y a pas d'ambiguïté là où je pense. Donc on a le canal qui se barre à gauche, l'autre qui se barre à droite. D'ailleurs ça fait un peu comme ça. Victor Romeo, et après on dit rien comme ça. Ouais. Eh bien, le docteur de vous quittez la zone. Je vous demanderai de passer le transpondeur 7000 et de contacter SEM Information 134 875. 34 et 875, merci pour l'information, merci à vous, merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Allez, haute, l'éolienne. Patrick, ça merci. Paris Information du Fox Novembre Lima, bonjour. Fox Novembre Lima, Paris Information, je vous écoute. Paris Information, le Fox Golf Novembre Novembre Lima, DR400, 3 personnes à bord. Nous avons décollé de Valenciennes, Alpha Victor, destination Logne. Nous sommes 2100 pieds, on vient d'être libérés par Lille dans le sud de Péronne. Reçu monsieur, le transpondeur 7013, 70, unité 3. 7013 affiché pour novembre Lima, nous sommes QNH 1016. Novembre Lima, attention, vous rentrez dans la zone de Fréquel Château, il y a du parachutisme président. C'est bien reçu pour la zone donc pour les, avec les parachutistes. Vous allez être pilote mieux. On va aller plus à gauche. Donc en fait là il y a une zone avec des paras. Ah ok. Donc on vire à gauche. Hein. Rien faux de Fox Golf Fox Diego, bonsoir. Fox Golf Fox Diego, Paris, bonsoir. Fox Golf Fox Diego, P28 en provenance de Logne, destination de Langis, une personne à bord, transpondeur 7000, et on est à l'est de Logne. Reçu, transpondeur 78, 7-0, unité 0. C'est bien là parce que c'est une navette 7-0, unité 0, Fox Diego. Et on voit Noyon.
Noyon. Noyon. Noyon. On a un point FD614. Donc on voit bien qu'effectivement il y a une forêt avec un point 614. Donc il y a un petit relief. Conforme, on n'est toujours pas perdu. Un effort Jean-Luc. Tant mieux. Pas très fort. Ah non, moi j'ai envie qu'on soit perdu. Ah bah on a là-bas, on a chaud quelque chose. Bobby. Golf, Mike, Golf, Hôtel Paris. Golf, Hotel, bringing it to. C'est beau au côté gauche, là, il y a un super éclairage. Donc l'autre il est probablement à 500, nous on est à 2200, donc on est 1700 pieds au-dessus. Pour respecter à la hauteur à laquelle il faut être par rapport à la météo. Voilà, on revient vers le sud. On va arriver dans la zone VFR. That's a mind to the Foxtrot entering Romeo 324 and 1600 feet. Paris Info de Fox Victor Yankee, bonjour. Fox Victor Yankee, Paris Info, je vous écoute. Fox Bravo Victor Victor Yankee, un PA26 de personnes à bord en provenance de voilà. Melun, destination de Boulogier, actuellement à l'ouest de Nangis, on est à 400 pieds stables. Reçu le transpondeur 7011, 7-0 unité, unité. Transpondeur 7011, Fox Victor Yankee. Donc on va passer dans une zone critique, on a moins de champs les gars. Encore un champ, du brevet Paris. Joli le forêt. Ouais, sauf quand il faut se poser en urgence. Vous êtes bien si vous êtes bien sûr là. Quand il fait Victor Yankee. Donc on va rejoindre un autre canal qui va rejoindre le président là-bas. J'ai cru entendre Novembre Lima. Mais... Vous avez appelé Novembre Lima. Le station calling Paris, give me your full call sign. Helicopter Golf, Golf Mike, Golf Hotel. I just copied helicopter Golf, Golf Mike. Golf Hotel, Golf, Golf Mike, Golf Hotel. Golf, Golf Mike, Golf Hotel, Paris, go ahead please. I heard you calling me, sir. I'm squawking 7020. Yes, sir. I called you three times because I've lost your position on the radar. Could you update your position, please? Yes, sir. I'm approximately 15 miles northeast of Evra. Good to see. Many thanks. Donc on a bien la route. Golf, Golf, Mike, Golf, Paris, I have you on the radar now. Copy, sir, I can't go any higher to achieve better radio contact because I'm in Evra zone, maximum 1,500 feet. Sir, you can climb higher, Evra is not active at the moment, but be careful, there is a gliding championship close to Evra. Yes, I've copied the gliding, sir, and I'll climb to 2,500. You may climb, and please maintain separation with the surrounding traffic. Copy, go down. Fox Golf, Fox India Echo, Paris. Fox India Echo, j'écoute. Vous venez de croiser Fox Victor Yankee à 2 minutes droite gauche, 200 pieds au haut, et vous avez eu un visuel. Runner moteur. Négatif, Fox India Echo. Merci monsieur. En route à 16h. Paris Info de Fox Hotel Echo Charlie Oscar, bonjour. Fox Hotel Echo Charlie Oscar Paris, je vous rappelle. Delta Echo India India Golf Paris. Delta Echo India India Golf listening.
Sir, you may contact right now Luxembourg, frequency 120.885. Thank you. That's correct, sir. Bye-bye. Eh bien, India Echo, vous pouvez figer le transpondeur 7000, vous quittez pour Nangis. Bonne soirée, monsieur, au revoir. 7000, bonne soirée, monsieur, au revoir. India Echo. Ok, bon. Fox Hotel Echo, Charlie Oscar, Paris, je vous écoute. Ouais. Fox Charlie Oscar, un VR400, une personne à bord en provenance de Montargis à destination de Nevers. Je viens de citer cette info. Reçu le transpondeur 70-01, 7001. 7001. Pour information, vous êtes identifié radar. Merci, Charlie Oscar. Paris Info, bonjour du Fox, chez India. Fox India, le cas. Ok, on a toujours le canal à droite, tout va bien. Ouais. On va le garder à droite. Alors, la station qui vient de la Côte, c'est le Fox India Victor. Affirmatif, le Fox Juliet Fox India Victor, ULM 2 personnes à bord. Décollage de temps à destination de Valenciennes, il va prendre 4 Victor, on est stable, 3500 pieds, QNH 67, ceci est le transpondeur. On va avoir un rond, on va avoir un rond. S'il vous plaît. 70-06 pour le Fox India Victor, merci. Victor Lax, on a une FAD, mais ça on s'en doute un peu. On a Compiègne là-bas. Fox Victor Yankee Paris. Donc on a fait la moitié du vol là. Fox Bravo Victor, on a deux fois un quart de carburant. Donc on est bon. On est un peu poussé hein. On a l'autoroute qui fait un crochet comme ça, hop, hop. Alors on a des zones de... Novembre de fois Lima à Paris. Novembre Lima, écoute. Novembre Lima, j'ai un appareil au-dessus du terrain de Compiègne dont je n'ai pas l'altitude, donc si vous faites une verticale, vous approchez de Compiègne, attention. C'est bien reçu pour l'information, trafic Compiègne. Donc nous, on passe secteur est de Compiègne, donc on veille. Merci. Merci. Golf Mike, Golf Hotel Paris, did you finish your climbing? Golf Mike, I've returned, I'm at 2000 feet, 1016, I'm reading your 5, sir. Hi, good to be 52. November 26, November Zulu, Paris. Donc je redescends un petit peu, histoire de profiter du décor. C'est une info de Fox Charlie Oscar. Alors, Fox Charlie Oscar avec ta mémoire, info, je t'écoute. De par ici, il y avait un petit château. Oui, Paris, j'ai repéré pour la ville, c'est je passe avec avant, moi je passe avec vous. Non, monsieur, la baisse d'abord est fermée, le dimanche, leurs zones ne sont pas possibles, exception, donc vous restez. Ah, air fond à gauche, les gars. Merci, Fox, Charles de Serre. Bateau, il est en dessous, là. Arrière-faute de Fox, Victor Yankee. Fox, Victor Yankee, Paris, je vous écoute. Le trafic vaut 1 heure pour 2 minutes en évolution légèrement sud-ouest de Compiègne et je viens d'avoir une altitude, il est 500 pieds bas. C'est reçu, 500 pieds bas, secteur ouest de Compiègne. Donc nous on va virer vers Pierrefonds, donc on s'éloigne de son secteur d'évolution. Merci monsieur. Juliette Fox India Victor, Fox India Victor, j'écoute.
Eh bien, continuez vite temps, le transpondeur 7000, recueillez l'information 120, destinale 275. Je crois que j'ai trouvé. 7000 avec l'île en dessous, là. Merci. Ah oui, d'accord, on était passé là pour voilà, ouais, c'est ça, ouais. Exact. Bravo, Victor, avec très chargé. Génial. Tu le verras quand toi tu seras passé, Damien. Bah, ouais, là, pour le coup, on l'a bien trouvé, là. Vous êtes identifié, monsieur. On était passé un peu plus de large, c'est ça, voilà, on en était un peu plus de... Alors, Pierre Font, altitude sécurité, 800 pieds. Sachant que... Ok. Donc, on devait arriver à 55. Alors, pour Damien, qui n'a jamais vu Pierre Font de près. Tant pis, de descendre, c'est rapide. Hein. 2400 quand même. Voilà, 1800 pieds, on est bien. T'as vu Rotonde? Ouais. Donc tu vois Pierre Font devant nous à droite là? À gauche? Oui. Pardon, à gauche, ouais. Ah si, à droite parce que je vais te le mettre à droite. Ça marche. Contre-force 60-23 Paris Information. La route suivante vers la dernière évidence, ça sera un 147. On est presque dessus. On va arriver à 7h58. Paris Information, du Fox Julien Totel, Fox Tango, bonjour. Est-ce que tu dois basculer à 1500? Bon, on a encore le temps. Encore le temps. Quand on fera l'Illustrourg. Autant dire pas tout de suite. Ah, on a des petites hauteurs ici. Quoi? On a des petites hauteurs là, ouais. Ouais, il est dans le temps, c'est sympa. Ouais.
Alors altitude de sécurité 1400, reste à 10 encore maintenant. Donc là Jean-Luc, on va se refaire le circuit qu'on avait déjà fait une fois. On va faire des bilans, fruits sur l'ourc, lisses sur l'ourc, buter l'avion. Ok. Bon, c'est juste pour eux. Damien, regarde un petit peu, ça fait bien soin d'attractif. Par là-bas, on a le Plessis Belleville à droite. Je pense que c'est peut-être le patelin qui est là-bas. Belleville derrière le parc Astérix. Derrière le Chantilly là-bas. Ouais, alors, Villers-Cotterêts à gauche. La grande antenne de Villers-Cotterêts. Pick up the golf mind over town. Paris Helicopter Golf Golf Mike over town. Donc 04 dans 3 minutes. Voilà. Je vais reprendre la bonne route, là j'évite juste la Ferté Côté. Ferté Côté, Villers Côté. Côté Cruyff-Ourc, ça sera 195. Paris Info 2, Fox Golf Golf, il dit un petit bonjour. Quelque part à gauche là-bas, plus ou moins dans le boudel ou une heure avant le boudel. Donc là il y a une ruine, un ancien château, enfin château façon de parler, ça n'a jamais été forcément vraiment un château d'ailleurs, de mémoire. Ça devait être un château. Altitude de 1800, 1400 sécurité, donc on est bon de toute façon. Château là. Ah ouais, alors c'est pas celui-là, mais effectivement il y a quelque chose à voir. Ouais. Plus un espèce de moulin isolé là. Ouais ouais, ben, ça c'est tous les territoires du château ça. Ouais ouais ouais, ouais. Effectivement ça fait un sacré domaine. Donc la Ferté Milan c'est là. Sur la droite vous avez une grosse passe vers sombre de forêt. Quand vous revenez vers la ville vous avez une grosse passe imposante en pierre. Puis là le château. Enfin, en fait c'est un morceau, un pont. On va le contourner comme ça, assez large, tranquillement. Là-bas on a Cruyff-Ourc. Vous le voyez le château là, il est à droite là. Là on a la rue qui passe avec la ville en dessous. Ah, la structure à droite, là, c'est ça. Reading you. Ah oui, d'accord. Il est 04 comme prévu. Il a jamais, de mémoire, il semble qu'il n'a jamais été terminé ce truc-là. Ah, il est bien en ruine. Hein. Ouais. Bon, ça c'est sympa à voir. Hein. Donc on est, il y a deux ans, je pense, on était venu avec lui. On avait fait une rando au départ d'ici. Voilà. Ah ouais, joli.
Ah là, il n'y a vraiment plus que les murs. Hein. Ouais, 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 ouais. Donc la route suivante est à 195. En fait, ça dépend si on veut suivre vraiment la rivière, comme on a vu là. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau compliqué? Et alors ici c'est Croix-sur-Orc et une petite tour, alors faut la voir. Plus exact que la gare SNCF, enfin la gare de train quoi, tu verras la tour à côté, sur l'extérieur droite là je pense. Alors, on dirait qu'il y a une espèce de champ là vert, avec un espèce de grand toit plat tout blanc. Je pense que la tour elle est quelque part en dessous, dans la joie une église. Paris à force, gare 85, bonjour. Elle est bien cachée. Ouais, 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 ouais. On voit le cimetière. Bon, en tout cas, on voit l'église. Ah, je l'ai pas vu. Bon, en fait, alors, le plus fort, c'est qu'il y a une grande cour. Une espèce de grande cour. On est passé à 0,7 comme prévu. Les 12 a été là. Donc là j'ai positionné 1500, comme ça il n'y a plus de questions à se poser. Je reviens un petit peu sur la route prévue. Quand on garde la rivière à droite, tout va bien. Donc ça, c'est l'Ourcq. Ouais. Ah ben, voilà, on est en train de converger sur Udela, là. Udela, là. Ouais. Ah, elle est là. Non, je peux chercher, mais là, juste à gauche. Juste en dessous. Ouais, te fous pas sur le village. Ah ouais. D'accord, donc en fait je suis planté de village. Ah ouais, d'accord. Je pensais que c'était okay. L'autre là-bas qu'elle était, mais en fait c'est sur celui-là. On est derrière maintenant. Ok. Bon, donc je crois que je revise, mais... Non, mais... La géographie. Donc on a la ville de Meaux là-bas. Il doit y avoir une ville sur Ourcq quelque part ici. Oscar 85. Oscar Fierdo 85, écoute. Ou alors on a mis moins de temps pour y arriver que je pensais. Petit pont. Oscar, Oscar Golf 85, écoute. Donc on est là. Donc là on va rester 1400, 1500 pieds. On arrive sur l'autoroute, hein. Donc on a déjà terminé le vol. Là on passe la voiture à l'intérieur. Vous avez entendu, ouais. Des silences. Et on en longe une, c'est marrant d'ailleurs. C'est ça, ouais. Oscar Cardo 85, nous annonçons que nous prenons une trajectoire à gauche de Frédéric Château où il y a des lâchers de parachute. Oscar Cardo 85. Donc là maintenant on est dans le secteur, donc on s'approche du secteur 1500 pieds, donc bon, encore on en est loin en fait. Rien faux, c'est Fox Kilo Delta. Ça c'est Fox Kilo, je crois. Ouais, on devait être là-bas nous. Fox Kilo Golf, ah, c'est possible. Ouais, je t'ai vu d'aller. Bonjour, c'est Fox Kilo Golf, c'est la VR48 en provenance de Deauville. À destination de Grenoble, on vient actuellement de passer l'ex à 3500 pieds QNH, on est 3 personnes à bord.
Fox Kilo Golf 7004, vous êtes identifié radar. En tout cas, c'est l'ici, il y a la pyramide. Il y a la pyramide, donc tu peux pas te tromper. Paris Info, Oscar, Oscar 85, nous vous recevons. Bah, la gare, elle est de l'autre côté. Oscar 85, donc vous affichez 70, 22, 0. 70, 20. Ah ouais. D'accord. Ouais, la gare avec la place autour. Ouais. Ouais. Et Oscar 85, pour information, il n'y a pas de report d'altitude sur vous. Pas de report d'altitude, nous vérifions le transpondeur. Regardez à gauche, là, des couleurs, j'adore. Ah ouais, cool, hein. Ouais. Bon. Donc là, on est passé carrément dans la zone du méandre. Oh, bravo, Victor, X-ray, Charlie, Paris, SRA. À l'issue, je tire carrément à gauche pour intercepter l'auto. Oh, c'est clair. Et là, on va se balader dans les environs. Attention, je ne vous vois plus, radar. Vous pouvez me donner votre position. Ah, tiens. Le point là-bas, là, regarde. Fox, ouais. X-ray, Charlie, nous sommes au sud de l'an. Pour la tour qu'on voit quand on arrive de la sortie du joueur. Ouais. Fox, donc le carré K4, elle est juste à côté en avant, là. Fox, c'est en revue, écoute. Dans vos 11 heures pour deux nautiques, le Fox Golf novembre minimax, c'est gauche-droite, 200 pieds bas. Oui, j'ai vu, le Fox est en gros. Novembre minimax, vous avez pris? J'ai compris qu'il y avait un appareil 200 pieds bas sur notre gauche, c'est ça? Sur votre droite qui va vers vous. C'est bien reçu, merci, on le cherche. Il est distance à peu près, j'ai pas entendu par contre. Il a deux nautiques et la visionne sur vous. C'est bien reçu, deux nautiques droite. On va se s'aligner sur l'autoroute. Bah, d'ailleurs, on va pas tarder à vous quitter. Dans deux minutes, on vous quitte pour repasser en fréquence avec votre. Et novembre Lima, dans vos midis, vous avez un aéronef qui fait gauche-droite à deux nautiques et 200 pieds haut. C'est bien reçu, merci. Donc il rentre sur l'an également, merci. Paris Info, Oscar Golf 85. Vous avez notre altitude maintenant? À charge, monsieur. Les yeux sur le trafic à droite. Paris Info pour Fox Alpha Delta, papa, bonjour. Donc on a beau, sans ambiguïté. Novembre Lima, faites attention, beaucoup de monde sur l'Ogne en auto-info. L'appareil à droite, c'est bien sympa, je vous écoute. Ah, visuel, visuel. Tout à l'heure, Delta Papa, il y a 400 de personnes à bord en provenance de l'Ogne. Les destinations de Reims sont nées à 1700 pieds QNH 1016 et on va monter à 2000 pieds QNH. Delta Papa, 70-12, Fox Delta Papa. Et Delta Papa, il en tire là. Reçu. Paris Info, on a eu le visuel sur l'appareil signalier, il est parti sur notre droite à un nautique à présent vers Beau. Qu'est-ce qu'il y a à passer un message? Fox Golf, novembre Lima, pour l'information sur l'appareil qui nous croisait tout à l'heure. Ah, ok. On a encore du carburant, on peut aller faire un petit vol là. On va faire un tour à Provins, on fait quoi? On improvise un truc. Non mais tant que le truc n'est pas sur l'oie, on est en sécurité quoi. C'est sûr. Quand il sera sur l'oie, on pourra s'interroger. Fox novembre Lima. Fox novembre Lima, j'écoute. Fox novembre Lima, Paris. Fox novembre Lima, vous écoute, Paris Info. Fox en Lima, si vous recevez dans vos 1 heure pour un nautique, un aéronef cap inverse, 300 pieds bas. C'est bien reçu pour le Fox novembre Lima, nous avions repéré un appareil, oui, volant, il est sur notre droite, secteur de Pau. Merci. Ça. Paris Info du Fox novembre Lima, pour vous quitter, la communication devient difficile de toute façon. Novembre Lima, faut quitter 7000, au revoir. On vous quitte, au revoir, 7000, bonne fin de journée, monsieur, au revoir.
Victor Novembre en étape de base pour un toucher piste 26 sur, je rappelle en finale. Bon ben Jean-Luc, tu t'es pensé celle-ci? Ouais. Il était là, on l'a passé, j'ai même pas regardé. Bon, Fox Romeo, il forme peu un d'attente 26 dur, je m'aligne et j'attends devant le Fox Delta Delta. Bon ben Eh bien, mais c'est court. Un peu, d'accord. Delta 226 dur, dégagé, je roule la faille. Par exemple, pas chouette. La prochaine fois, on aura un rôle de 26 dur, je décolle. Ok. Bon, cela étant dit, on fait encore un vol à la fin du mois, là. Et trouver un autre passager, a priori. Je crois que je fasse des calculs pour vérifier que ça passe au niveau masse, carbone, tout ça. Et après, ça se termine pour moi, pour cette année. Okay. Mais je vais reprendre au premier trimestre. C'est ok, par contre. Plus comme d'habitude. Donc, je te tiendrai au courant. Ok. Delta 2 faux parking, ça y est, on quitte la fréquence, bon voilà tous. Bien, Fox Alpha Charlie, je sais pas. Bien, Delta Comma, Zulu Fox, soit 2 minutes en l'est pour une intégration vent arrière dans le 26. Fox Eco Sierra, on est parking par arrière, on y on quitte la fréquence, bon voilà. Bon ben. Charlie. Lightning Fox Golf Charlie, Maxime, bonjour. Je vais partir en taxe avec deux personnes à bord. On va rouler par exemple au 2 novembre pour les pompes. Bonne information du Fox Novembre Lima, bonjour. Bonne information Fox Novembre Lima, nous sommes 2 minutes de écho au-dessus du péage Rapulon Echo. Fox Victor Novembre, en montée initiale, piste 26 dur, on rappelle en vent arrière. Donc on sait que c'est la 26 dur. Ouais. Bien. Dernière fois, Fox Victor Novembre, bonjour. On est à 3 minutes écho, on passe le village nature, on va faire un passant écho. J'ai reçu pour Novembre Lima, on a visuel, on est à peine un autre sur votre droite, environ 40 secondes. On a visuel également, Novembre Lima. Il est fort en tout début de l'intérieur pour un toucher 26 dur. Je vais mettre 2300 pour laisser passer. Donc on descend 1200. Là, je suis descendu à 102 pour mettre un peu de distance. Fox Romeo uniforme, fin de vent arrière pour un toucher 26 dur. Et droit devant nous là, c'est ça, ça. Ouais. Juste au-dessus de l'horizon. Ouais. Moi je suis un petit peu bas là. Oh, j'ai l'impression que c'est un appareil qui vient dans notre sens. Ah non. Et celui qui était là, nous a croisé gauche-droite. Ah ouais, mais c'est marrant, par moment. Ah ouais. Ouais. Allez, Fox, premier vis. Fox, remue uniforme, pardon, étape de base pour un toucher 26 heures. Je passe l'autre temps. Sur. Ok, donc on voit qu'il est en étape de base là-bas, l'autre. Elle.
Antoine 2300 tours. On rentre en fin de vente arrière et je rappelle la piste 26 gazonnée. Rappel en étape de base pour la 26 gazonnée, Victor Novembre. Les Fox Robin, ils forment en finale pour un toucher 26 heures. Ah, ça y est, t'as vu, il est là-bas l'autre. Ouais. Il est bon, hein. Fox, ça se part en passe écho 1200 pieds, on va passer vertical 1500 pour l'intégration visuelle sur la base. Fox, Victor Novembre, étape de base 26 gazonnée, on rappelle en finale. Toutes les caméras fonctionnent, sur ma tête ça fonctionne. Ouais, merci. On dirait que lui aussi, donc c'est bien. Donc là, on est sur l'autoroute. Hein. Bonne information, Fox Novembre Lima, 1200 pieds, nous passons écho, montons 1500 pour la verticale derrière l'appareil qui sera numéro 1. Logne Fox, Papa Echo Alpha Charlie, un Jodel, la ligne. On peut attendre 26. Fox, c'est du temps bien dit. 3 minutes d'écho de retour de Nantes. Au micro, on va se toucher à la ligne. Il y a des écomains sur le Fox Arbonne à droite pour la 26. Logne Alpha Charlie, je pénètre la 26 heures pour un décollage, pour un local. Bon, à lui. Il faut que je sois uniforme en montée initiale 26 heures. Logne Fox Alpha Charlie, décollage 26 heures. C'est bien un avion que j'ouvre à gauche là, oui. Ouais, ouais. C'est pas ce qu'il fait là. Je sais pas, je comprends pas trop non plus. Ouais, alors c'était lui qui était en décollage, en montée initiale. Ah non, ça c'est pas possible. Ça. Non, c'est celui qui nous précédait, mais ouais. Je comprends pas alors. Moi je suis un peu bas, je suis 1400 là. Je sais pas ce qu'il fait. Victor Novembre en montée initiale pour un toucher piste 26 gazonnée. Et je rappelle en vent d'arrière. Fox Romain Uniforme, fin de montée initiale, premier virage 26. Fox Alpha Charlie en montée initiale 26 dur, j'ai visuel sur l'appareil sur la gazonnée. Fox Alpha Verticale des installations 400 pieds, émission d'intégration pour la 26 en intérieur en vent arrière. Alpha Charlie, je suis derrière, j'ai visuel sur vous, donc je vous vois, vous pouvez virer, je passe derrière. J'ai reçu le visuel maintenant, merci. État de l'offre 500 pieds pour la 26. Là-bas, t'en as deux là. D'accord. Et t'as le troisième là-bas, je comprends pas ce qu'il fait. Ouais. Ok, il est en bien dit, on arrive à Echo. Alpha Charlie, il fait en tout début de vente arrière pour une option 26 dur. Alpha Charlie, en fin de montée initiale, je prends l'étape de base pour monter à 1500 et sortir en lave. L'information du Fox Novembre Lima, nous sommes vertical 1500 pieds. Visuel sur l'appareil qui arrive sur la fin de la verticale et celui qui en début de vent arrière. Alpha Charlie vent traversier pour monter à 1500 pieds sur au-dessus de la circuit. Là-bas et là, ok. Allez, 4 paris. Bonne information du Fox Novembre Lima devant visuel sur l'appareil en début de vent arrière et celui qui est en bitraversier. Nous allons passer bitraversier pour nos intégrants début de vent arrière. Fox Novembre en vent arrière pour un sujet de 26 dur, 26 gazonnés, je rappelle en étape de base. Logne Alpha Charlie en 1500 pieds au-dessus du circuit pour une sortie vers Meaux. Ok, donc ça c'est celui qui sortait. Ça se fait à début de vent arrière, 1200 pieds pour 26 durs incomplets. C'est reçu pour le Novembre Lima, nous sommes en bitraversier verticale du H
pour lui donner pour passer en développement arrière dans 5 secondes. Bonne journée, les formes en premier virage. À l'étape de base, pardon, 26, je passe à haute tension. Ligne de Fox, Golf Oxideco, bonsoir. TMAC est en provenance du manche, destination pour l'installation. On est à 4 minutes de valeur verticale, on arrive par le sud-est, 500 minutes. On rappelle verticale. Il y a encore un oiseau qui est passé pas loin là. Ouais. Il faut trouver du fond en finale pour une option 26 dure. Donc on a la pompe, la réchauffe. On est 1240 pieds, voilà. Hop. Fox, les gens bien cuits, verticale de l'installation pour rejoindre l'avant arrière 26 dure. 800 tours. Victor Novembre en étape de base pour toucher piste 26 gazonnée, je rappelle en finale. Reçu pour novembre du mardi, début de vent arrière, enfin plutôt feuille 08. Donc il prend la dure. Donc ouais. Derrière il a dit qu'il prenait la gazonnée. Ouais, là-bas. Victor novembre en finale pour un toucher piste 26 gazonnée. Et je rappelle en montée initiale. Donc c'est ça que tu as en base 26 dur en complet. Il faut se remettre l'histoire de montée initiale en portant. Il y a encore un avant là. Milieu de vent arrière 26. L'Orient Central Alpha Charlie, j'ai quitté le circuit 1500 pieds, les riches Vermeaux. Dernière formation, nous sommes en fin de vent arrière. L'appareil L-Haut s'annonce donc sur la. Pour un courant touché sur la dure, c'est ça? Ça sera complet sur la 26 dur, faut que ce soit pas en finale 26 dur. C'est reçu, donc Fox novembre Liban, on arrive en fin de vent arrière, on va s'établir pour un complet sur la gazonnée. C'est 600 Bianchi, on va traverser les Fox Gecko 2 minutes de la verticale des installations, 1768, on arrive par le temps. Donc là c'est un poil bas. Maintenant on touche 26 gazonnés. Alors ben, Fox en uniforme en milieu fin vent arrière pour en toucher 26 dur. Okay, c'est pas encore 26 dur, en fait. Attends, on a un en train de se poser sur la gazonnée. Ouais, j'ai vu. Il y a un en train d'arriver sur la dure. Non, non, mais la gazonnée est en train de se libérer, donc c'est bon. Ouais, ouais, touché, il est reparti. Donc on est 950 pieds, 920 pieds, voilà. Ok, on est c'est bon. Dernière formation, Fox novembre d'image, j'ai vu que la gazonnée s'était libérée, donc on s'installe en finale pour un complet 26 gazonnées à l'autre. Et donc on met deux crans, donc on a la pompe, la réchauffe, on a deux crans de volée. 81, donc on est dernière fois du Fox Victor novembre, montée initiale 26 gazonnées, on va se reporter vertical terrain face au sud, 1500 pieds pour un encadrement. Voilà, 79 c'est mieux. Fox sur uniforme en l'étape de base de passer aux tensions 26, je veux dire. 79, dans l'axe. 1 minute de la verticale, 1500 pieds. 79 stable. Donc ça compte à 26 heures dégagées. Voilà, je reste à 600 pieds. Là, il passe Golf Charlie Magnidia, sur mon pompe, deux personnes à bord. On va rouler par devant pour rejoindre le point d'attente piste 26 heures. Gecko vertical du terrain, 1500 pieds, pour intégrer la 26 dure. On a 12 de face. Faut que en finale pour un toucher 26 dur. Line du Fox, Kilo Yankee, bonjour. Cessna 162, Fox Hotel Delta, Kilo Yankee en provenance de Briard, à destination de vos installations, à 2 minutes de la verticale en provenance du sud-est. On est à 1300 pieds, on monte à 1400 pieds, on se reportera vertical terrain. Donc c'est ça que on a libéré la 26 jours, où le parking site est énorme, on est en haut de pied. Ah, la freinage aérodynamique. Et il est mal à... Non, non, c'est moi qui l'ai tenu. Ah, c'est toi qui le tenais, d'accord, ok, je vais demander si... Ah non, c'était normal. D'accord. Sanguianci, étape de base 26 gazonnée, complet. Bonne information, la 26 gazonnée se libère à l'instant. Vraiment du trafic là.
Il y a beaucoup de trafic. Du Foxy, le Yankee, 1 minute de la verticale, 1500 pieds. Foxy Gecko, début de vent traversé. Foxy Victor novembre, on est à 10 secondes de la verticale, 1500 pieds face au sud pour un encadrement. Foxy, le Yankee, on a visuel sur vous, on vira à droite. Dernière fois, Foxy novembre, Lima, on roule, on vous rappelle la voie croisée. Et si le Yankee, vous arrivez du coup? Et Victor novembre, on débute l'encadrement 26 gazonnés face au sud. On rappelle dernier virage, on a visuel sur la finale. La Fox Romeo des formes en montée initiale, 26 dur. Foxy Gecko, début de vent arrière 26. Foxy Yankee, on passe vertical 1500 pieds, on a le visuel sur l'appareil en encadrement. Foxy Yankee, on a visuel sur l'appareil en montée initiale, on passe derrière lui. Le banner il est encore actif, il... Ah ça y est, il va s'arrêter. Il a dit qu'il est 22 là. Bon, 22, on va pas bien loin. Non, c'est sûr. Donc on s'est posé à 17h30 en gros, hein. Que j'avais prévu finalement. Ah, j'ai été trop bon, on s'est pas perdu, on s'est posé à l'heure. Mais je comprenais pas tout du trafic là. Ah ouais? Ouais. Bah, y en a un qui m'a un peu échappé, mais bon. Mais il y en a un, il est sorti par l'ouest directement. Attention, il forme fin de ouais, je sais pas, parce que moi j'en avais deux en vue, et d'un seul coup j'en ai vu un troisième. Ah. Ah. Le Victor novembre, dernier virage, main gauche, 26 gazonnés pour un toucher. Tous ou pas là, non? Hein? Personne? Y'a personne qui est sur la piste? Non, non. On va dégager une formule. Donc novembre, Wallimar, on est Whisky 2, on croise, pas d'appareil en vue. Ah, posé sur la gazonnée, là derrière. Et j'ai formé en quelle piste dégagée, gazonnée. Il faut que je remets les formes. Tout début de vent arrière pour un toucher, 26 dur. Bon. Oxygène Echo, étape de base, 26 dur pour un complet. C'est posé juste après nous, ouais. Ouais. Soit tu n'es pas rien qu'il se puisse dégager pour retour au parking Alpha. Alors Damien, les impressions? Victor novembre en montée initiale. Bah... gazonné. Très sympa l'Agne et ses alentours. J'ai pas compris. Très sympa l'Agne et ses alentours. Ouais. Beaucoup de trafic. Ah oui ça. En auto-info c'est marrant. Ouais, mais finalement ça se passe bien, c'est ce que je disais la dernière fois, il y a deux semaines là. Du coup, c'est le Yankee en début de vent arrière. On a plus de trafic là que la dernière fois. Hein. Un peu plus, je crois, ouais. Bon, ben on est à nouveau sur niveau 2, donc 60 litres. Qu'est-ce qu'on avait au départ? On a mis. Donc apparemment, on a consommé la même chose à l'aller qu'au retour. 70, 74 litres, quoi. Donc là, on est sur du 60 litres. Si on est parti. La dernière fois du Fox Victor novembre, on est en fin de montée initiale 20. Ça fait 2 fois de l'année, on va se reporter vers le terrain face au sud 1500 pieds pour un encadrement. C'est plutôt cohérent. Là on est en temps moteur, on est à 34 plus 3, 37. La Fox remet les formes, fin de vent arrière, étape de base pour un toucher 26 dur. Il a pas bougé ou quoi là? Eh non, c'est sûr, il a bougé, puis ils l'ont garé comme un sagouin. Foxy le Yankee, on vire en base basse. Ils ont tous les deux garés comme des sagouins. Bon, bah, je vais me mettre en face là. Bah, quoi que non, on peut s'arrêter. Alors je vais border là. Non, on peut là, c'est bon. Là, tu peux?
Ouais. Pas de chambre uniforme en finale pour un toucher 26 dur. Enfin, ils sont parqués comme des cochons. Non, celui-là, il est à peu près correct. Ouais. Pour ça, je préfère le mettre aussi côté gauche, c'est plus simple. Ouais. Ok. Dernière fois du Fox Novembre, il m'a nous sommes au parking, ça y est, écoutant la fréquence. Au revoir, bonne journée, bonne fin, voilà tous. Bisous. Bisous, bisous. Parce que le Yankee, on est en finale 26 gazonné, point complet. Alors, on éteint ça, on enlève ça, on éteint ça, on soulève et on peut enlever le casque, il fait bon. Arrêt moteur à 17h36. Ah, ça suivait de près quand même. Hein. En fait, on avait, comme on est arrivé vertical terrain, il y en avait un en vente arrière et trois en base. Je sais pas, mais celle qui s'est posée juste derrière nous, elle devait bien nous coller quand même. Ah, mais oui, ça me semble bien, c'est le Saratoga. Non, c'est l'Ingaico ça, c'est le PR28. C'est le PR28 ça. Ah, ah ouais, l'Ingaico c'est le PR28. Ah, ils ont la même déco. Ah, bah, c'est des pipeurs tous les deux donc. Ouais, ouais, mais bon. Saratoga, il est là-bas, tiens. Bon, eh ben, nom d'une pipe, le nom d'une pipe. Eh ben voilà. Ça y est, ça s'est fait. C'était bon. Ouais. Mais c'était court comme dit quand même. Ça va. Ça va vite. Hein. Par contre, oui, ça va vite. Ça va vite. Hein. C'est... Mais ça va. Quand t'as pas l'habitude, ça correspond à une bonne durée ou... Quand t'as pas l'habitude, ça fait toujours le plaisir de voler même 30 minutes. Je sais pas quoi. Jean-Luc, t'es pas trop en manque, ça va? Non, ça va. Bon. Et en plus, t'as trouvé la place droite là. Eh ouais. Mais ouais, c'est marrant quand il y a autant de trafic avec de hautes infos. Ouais. Il faut suivre et tout, c'est intéressant. Mais on a le droit de décoller les deux en même temps sur la même piste. En pratique, on va éviter. Le droit, je sais pas, non, ça m'étonnerait. En pratique, on évite parce que bah, non, si on décolle en même temps, on va se retrouver l'un de l'autre trop proche. Donc le premier il décolle. Premier virage. Et quand le premier est en montée initiale, l'autre il décolle derrière, c'est plus sécurisant en fait. Bah, ouais, ouais. Non, je pense pas qu'on ait le droit. Je me rappelle pas ce que dit la vague, mais en tout cas, en termes de bon sens, moi je le ferai pas. Quoi. Ouais, là, ça a été fait. Ah, t'imagines le premier virage en... Ah, bah oui, à là, deux ça fait un peu chaud patate. Bah, c'est pas ce qui s'est passé quand on est arrivé vertical. Il y avait le mec qui faisait le toucher sur la gazonnée, le mec qui décollait. Ah, ça j'ai pas fait gaffe par contre. C'est pour ça qu'ils se sont retrouvés deux collés. Ah d'accord. Et après il y en avait deux en... Et lui là je sais pas s'il fait une verticale mais il est pas à 1500 pieds là. Ça me paraît un peu bas. Il vient pas. C'est pas lui qui vient de décoller Non non, lui il vient de décoller et on le voit pas encore. Si on le voit derrière il est à droite là, au-dessus du hangar à droite. Ah oui. Ça me paraît bizarre. Enfin bon. Ouais. Ok ok, il y a un appareil là-bas. Mais... Ah oui d'accord, c'est parce qu'il doit être parti de la gazonne. Je me disais mais qu'est-ce qu'il fait planter là. Ça fait bien. Bon, bah écoute, on se dit à la semaine, non, dans deux semaines. Dans deux semaines. Pour le prochain vol, destination surprise. Et toi, l'année prochaine, pour un prochain vol, destination encore plus surprise. Ouais. Ouais. C'est okay. Un réel plaisir. Merci tout encore pour l'invitation. Ah ben, avec grand plaisir. Et donc, à la prochaine fois, c'est chouette. Si vous le voulez bien. Je m'applaudis pas, hein, c'est juste pour un clap de fin. Faut pas déconner. Mais ça nous étonnerait pas non plus. Dis Jean-Luc. Allez, on va arrêter les caméras dans l'ordre inverse. Non, ça là, elle fonctionne encore, c'est bien. C'est con, j'ai juste raté le décollage avec l'autre. Avec laquelle? Celle-là, celle de gauche.